L'arbre s'enracine. Il ne se déplace pas. L'arbre est sédentaire. Il méprise l'inconstance des nomades. Il est sédentaire à l'image de mes ancêtres. Mes ancêtres, ils voulaient mourir à l'endroit où avait été enterré leur placenta. Tout comme l'arbre mourait sur ses racines. Il vénérait le renard qui pose sa tête vers sa chère terre natale pour mourir. Pour eux, le sort le plus funeste était mourir sur une route en terre étrangère. Les anciens Coréens, quand ils choisissaient l'endroit où ils voulaient vivre, faisaient comme fait la graine d'un arbre déposée par le vent, près d'un point d'eau, à l'abri des intempéries. Ils l'installaient au bord de l'eau, abrité par la montagne, s'enracinait ainsi en sécurité et bâtissait là leur village. Je suis né dans un très, très ancien village comme celui-ci. La famille Choi est née un siècle avant Jésus-Christ. Les descendants de Choi, eux aussi, veulent mourir sur leur terre, dans ce village où ils habitaient depuis 2000 ans. Mes aïeux avaient déjà été contraints de quitter leur terre d'origine au XVIIIe siècle, lors d'invasion japonaise. Ils se sont cachés loin, dans la montagne, mais ils ont gardé en mémoire des Kyodong, leur pays natal. Dans les années 20, quand les Japonais ont occupé la Corée, ils sont partis encore plus loin, en Mandchourie, pour survivre. Ils ont apporté avec eux les graines de riz de leur terre, dans ce pays du Nord, froid, et qui leur était inconnu. Mon père est né dans ce pays d'exil, mais dès que la Corée a été libérée, après la Grande Guerre, il est revenu avec ses parents à Gyeongdong. Après 300 ans d'éloignement, ils ont pu enfin retrouver la terre de leurs ancêtres. Mon père et mes deux oncles ont exercé la louable activité qui est à la base du monde, de la société, l'agriculture. Ils avaient une foi profonde dans la terre et dans la vie paysanne. Ils disaient que la terre ne mentait pas et qu'elle le rendait à la mesure de ce qu'il le donnait. Comme leur père, les trois frères cultivaient les pommiers, les arbres à kaki, les arbres à jujube, les nobles fruits du pays. Ils vendaient leurs fruits pour assurer leur subsistance et celle de leur famille. Et ils montraient dans un sourire de fierté leurs grosses dents de choy lorsqu'ils récoltaient ces fruits géants, rouges, juteux, nourris de leur sueur et gorgés de soleil. La coopérative agricole prêtait de l'argent et en même temps vendait des engrais et des produits de traitement.
Au printemps, mes parents traitaient les pommiers au sulfate. Ce sulfate qui teintait tous les arbres en jaune et qui sentait l'œuf pourri. Avec mes sœurs, on repérait dans les vergers cette fumée jaune qui dépassait les rameaux, les arbres. À ce traitement traditionnel s'ajoutaient peu à peu d'autres produits plus modernes et plus nocifs, des pesticides, antifongiques, antichutes, désherbants, etc. Et ma mère se plaignait des irritations provoquées par ces produits, montrait les plaques rouges sur son cou, et elle nous disait de laver soigneusement les pommes et les éplucher avant de les manger. Mon oncle, lui, il ne se protégeait pas quand il traitait ses arbres, car il ne croyait pas à la nocivité des produits qui étaient conseillés par la coopérative agricole. Ces produits magiques qui débarrassaient des mauvaises herbes, des champignons, qui empêchaient la chute de pommes, ont servi peu à peu à tâcher le plus ingrat. En effet, les villageois, de plus en plus souvent pris au désespoir suite aux problèmes financiers, décident de supprimer leur existence en vivant ce produit qui brûlait et qui faisait fondre leurs entrailles. Quand j'ai commencé à aller au collège, les fruits exotiques sont soudain devenus très bon marché. Avant, c'était des produits de luxe avec lesquels on se prenait en photo. La valeur de nos produits diminuait autant. Ces fruits qui avaient des peaux charnues, un parfum merveilleux, une consistance indescriptible, on n'imaginait même pas le pays d'où ils pouvaient provenir. Quelle nature pouvait produire de telles merveilles? Maintenant, nous gardions ces fruits avec une certaine haine, car ils nous enlèvent le pain de la bouche. Mes parents parlaient à voix basse de dettes, de crédits. En coréen, ces mots ont la même sonorité que les mots peigne, éventail. Et je ne comprenais pas pourquoi mes parents prenaient un air tellement grave et un ton tout si sérieux pour évoquer des objets si banals qui faisaient mal à personne. Je pensais qu'ils parlaient de coiffure ou d'autre chose. De l'année en année, les peignes et les éventails prirent une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne. Mon oncle, ce garçon miraculé qui avait survécu au bal russe, qu'il avait reçu en franchissant la frontière à son retour de Mandchourie, cet oncle corps robuste, bourru une intoxication causée par le produit des traitements agricoles. Il venait de fêter juste ses 60 ans.
Cet agriculteur dans l'âme, qui avait convaincu ses frères d'exercer la même activité que lui, avait eu au moins la chance de mourir sur sa terre, sur ses racines, étant resté paysan jusqu'à la fin de ses jours. Lors de mon dernier hiver dans ma terre d'enfance, un villageois s'est tué en vivant de l'herbicide. Notre voisin de village, un ami de mes parents, est venu traiter de mon père de voleur. Pourtant, ce voisin, quand il me voyait rentrer de l'école, sortait de sa serre, il faisait m'arrêter devant chez lui et m'épluchait un de ses concombres pour me faire goûter, pour m'accompagner la route. Et ces concombres étaient sucrés et frais et juteux. J'ai compris que sa colère était liée à ce peigne, à cet éventail. Souvent, les villageois servaient de caution les uns pour les autres. Donc, quand une exploitation se trouvait en danger financièrement, toute la communauté s'en pâtissait. Mes parents se séparent, vendit le verger. Je surveille mon père du coin de l'œil quand il allait à l'entrepôt où étaient stockées les bouteilles de pesticides. Et nous sommes partis de notre verger. Mon père, paysan, a perdu sa terre, ses racines, sa ressource. Il quittait la terre ancestrale où tous ses aïeux avaient rêvé de revenir. Il est parti s'installer en ville. Il a commencé à conduire un gros camion qui transportait des pièces détachées pour les automobiles. Il n'avait plus à se soucier des gelées de printemps, du retard de floraison, de la saison des pluies, ni des abeilles qui se retardent. Parce que les pièces automobiles, ces pièces métalliques qu'il transportait, ne poussaient pas dans le terre. Et son camion n'avait pas de racines. Il ne pouvait pas plus être un arbre. Et il ne mourra pas debout sur ses racines.